Salut, je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans, je suis originaire de Paris, ça fait un peu plus de 7 ans que je suis ici au Québec. Je suis un ancien étudiant au certificat en publicité, ici à la faculté de l'éducation permanente. J'ai obtenu en 2018 un bac par cumul de programmes, donc j'ai commencé par la mineure en sciences politiques à l'Université de Montréal, puis j'ai été à la FEP en communication appliquée et j'ai terminé par publicité. Moi, je suis arrivé au certificat en publicité parce que je recherchais vraiment quelque chose d'appliqué, quelque chose de concret. C'est ça que je recherchais. Je me suis pris de passion pour le domaine de la publicité et ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Le certificat en publicité, c'est vraiment un programme qui est axé sur la pratique. On fait beaucoup de mise en situation, on fait des études de cas, on travaille sur des projets concrets. Il y a des clients annonceurs qui viennent nous présenter des problématiques d'affaires qu'ils ont et on construit, on bâtit de manière fictive bien sûr, mais on bâtit des campagnes publicitaires, on planifie, on développe des créatifs pour des campagnes publicitaires. Tous les professeurs ou presque tous les professeurs ont un pied dans le domaine professionnel, c'est des professionnels de la publicité, du marketing qui viennent nous donner des cours c'est très intéressant parce qu'on bénéficie de leur expérience, on bénéficie des anecdotes qu'ils peuvent nous raconter on obtient plus que des savoirs, on obtient un savoir-faire, des vrais outils de travail concrets et aussi ils nous communiquent le savoir-être, c'est-à-dire les bonnes attitudes à avoir en milieu de travail, en environnement professionnel et c'est quelque chose qui est très bénéfique. Personnellement, le principal atout du certificat en publicité pour moi, ça a été l'obtention de mon stage à la fin de mon certificat. En fait, pour la petite histoire, à la fin du certificat, lors du dernier cours, on fait un projet d'envergure, on bâtit vraiment une campagne publicitaire complète pour un client fictif et c'est Gendron Communication, donc l'agence pour laquelle je travaille aujourd'hui, qui était venue nous présenter le cas sur lequel on allait travailler et qui était venue aussi nous écouter lors de la présentation des projets de fin d'études. Et mon équipe, on avait fait quand même un bon projet et moi j'étais assez fier du travail qu'on avait fourni. Et donc à la suite de nos présentations, j'ai posé candidature pour faire un stage. Et deux semaines après, j'étais dans les bureaux, je commençais à travailler. Un mois plus tard, j'avais une offre d'emploi ferme pour être coordonnateur. Puis 9 mois plus tard, j'étais promu comme conseiller. Donc ça a vraiment permis tout simplement de propulser ma carrière. Moi, si je pouvais donner un conseil, ce serait de continuer à persévérer, même si vous n'avez pas trouvé votre chemin. Ça se peut que ça vous prenne 3 ans, 5 ans, mais vous allez le trouver. Il faut juste rester curieux, il faut rester ouvert, il faut essayer des nouvelles choses, essayer des nouveaux programmes, puis vous allez la trouver, votre voie. Moi, c'est comme ça que j'en suis arrivé là où j'en suis et je suis extrêmement satisfait d'avoir fait le certificat en publicité.